Salut les mecs, dans cette vidéo je vais vous apprendre à tirer des coups francs en coup du foulard. Premièrement, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, pour ce qui est du judo, c'est plutôt simple, enfin c'est un peu compliqué quand même, mais avec l'entraînement c'est facile. Donc déjà on va commencer par créer un coup franc. Donc la technique marche que dans ce petit arc de cercle, donc le coup franc doit être dans cet arc de cercle. Pour créer un coup franc dans l'arène, on appuie sur la flèche, une des flèches. Alors maintenant, il faut appuyer sur carré, deux fois sur croix, et encore sur carré, il faut le faire plutôt rapidement. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, les erreurs qu'on peut faire pour que ça marche pas. Ça marche par exemple que si on regarde vers la gauche. Si on regarde vers la droite comme là, on a beau le faire parfaitement, ça marchera pas. Voilà, le joueur fait une mouche. Faut vraiment se mettre vers la gauche. Si je me mets là, ça marchera pas. Si je me mets là, ça marchera. Alors dans l'arène vous marquerez sûrement pas, mais en match ce sera beaucoup plus facile étant donné qu'il y aura un mur et donc du coup le gardien sera gêné, il sera obligé de se décaler, donc du coup ce sera bien plus facile. Là le gardien sera vers là, il sera beaucoup plus à droite. On peut aussi marquer en centre comme dans l'exemple. Donc là c'est la même chose, carré, croix, croix, carré. Il faut savoir aussi qu'on peut faire le coup franc qu'avec Riri, enfin du moins de tous ceux que j'ai testé, c'est avec le seul avec qui ça marchait. Après il faudra vérifier avec votre attaquant sur Ultimate Team ou sur votre équipe préférée. Voilà, ce tuto est terminé. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des conseils pour que je m'améliore dans mes vidéos, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Si vous voulez, si vous savez un sujet pour un autre tuto, vous pouvez aussi me le mettre dans les commentaires. Voilà, maintenant vous pouvez aller voir mes autres tutos qui vont s'afficher à l'écran. Allez, ciao !